Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro jaune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était réfléchir qu'est-ce qui me fait vraiment peur. J'ai peur de retrouver dans la voiture d'un inconnu. Est-ce que vraiment il y a un risque Et puis de déconstruire ça, et puis en fait tu vois que non. Et puis tu vois par A plus B que tu as fait des 30, 40, 50 000 km. On stoppe qu'il ne s'est rien passé. Mais c'est ouais, déconstruire la peur. Je pense qu'on a, on a tous peur de, de tout. Je continue à être terrifiée, mais j'y vais. Il y a ces gens qui rêvent les yeux grands ouverts. Ceux qui aiment toujours trop fort, qui collectionnent des objets étranges, qu'un détail peut occuper pendant des mois. Ces gens dont les anecdotes sont tellement absurdes qu'on les espère inventer. Ceux qui n'en font qu'à leur cœur. Ces gens-là, c'est Sarah Gisler. Le jour où elle a décidé de voyager, elle l'a fait avec sa démesure habituelle. En stop, sans ou avec peu d'argent, en dormant chez l'habitant ou dans un hamac, en récupérant sa nourriture, en la pêchant ou en l'accueillant. En alternant les moments de solitude en autonomie dans la nature et les rencontres extraordinaires, les coins perdus et les grandes villes, le froid sibérien et le stable brûlant. Sarah avait 20 ans quand elle est partie seule pour la première fois. En stop, sans argent, avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne. Elle avait 20 ans et en a aujourd'hui 28. Elle est partie pour ne jamais vraiment rentrer. Avec Sarah dans Nouvel Oeil, on parle de voyage, de solitude et de liberté. J'espère que cette écoute te donnera l'envie d'abandon sous toutes ses formes. <laughs> Hello Sarah. Salut. <laughs> Merci d'être avec moi pour partager ce moment. J'ai lu ton livre Petite il y a. Plus d'un an et il m'a vraiment bouleversé. Là, je l'ai relu ce week-end pour justement me remettre un petit peu à jour. Et il m'a tout autant bouleversé. Donc, vraiment, tes mots sont d'une telle puissance, Sarah. <laughs> j'ai réfléchi à comment te présenter, mais j'ai n'ai pas trouvé d'angle d'attaque euh, pertinent, tellement tu as des casquettes euh, variées. <laughs> euh, mais on t'introduit en tout cas souvent comme l'aventurière fauchée, puisque tu voyages principalement sans argent. Euh, tu es partie seule pour la première fois en stop en 2015. Tu avais 20 ans, avec l'objectif de rejoindre le Cap Nord depuis Lausanne sans argent. Depuis, tu as enchaîné de nombreuses aventures. Tu as passé des mois en Norvège, traversé le lac Baïkal à pied et la Russie en train. Tu as rencontré les nomades en Mongolie, traversé l'Atlantique à la voile et la moitié du globe en autostop. Et tu as publié surtout donc ton premier livre en 2018, Petite, qui m'a beaucoup touchée donc. Sarah, tu es encore petite aujourd'hui. <laughs> merci déjà pour l'introduction. Je, je reviendrai, hein, si c'est ça. <laughs> Est-ce que je suis encore petite Non, 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 malheureusement. Mais euh, bah, il s'est oui, passé des tas de trucs depuis la, la sortie de petite. Il y a eu, euh, je sais pas, c'était quand Il y a 4 ans Bientôt 5 ans 5 ans, ouais. Oui, oui, cet été, ça fera 5 ans. Donc, euh, forcément, non. Non, j'ai beaucoup changé, mais tant mieux, parce que si j'étais la même qu'à 20 ans, alors je serais. Enfin, c'est pas très intéressant si tu, si tu n'avances pas. À quel moment on cesse d'être petit alors moi ça a été euh, direct. Hein, mon père est mort, je suis, je suis... plus, il y a plus d'enfants moi, il ouais, y a plus rien. Mais, mais je pense que ça dépend des gens. Mais c'est vraiment là ça a été un, un méga coup et puis c'est parti de là quoi. Genre d'un coup. Non mais mon père il est extraordinaire. Enfin, mmh. J'ai rien eu à gérer pendant toute ma vie. jusqu'à mes 25 ans et d'un coup je dois faire ma lessive. Puis comment tu fais ça enfin, C'est terrible responsabilisant. Ouais ouais non mais. T'as l'air tellement con. J'ai dû commencer à cuisiner, à faire des trucs, à, à, à trouver mes itinéraires toute seule. Fa... Je, je sais pas, moi je, je galère. Maintenant ça va mieux. Ça fait ça fait deux ans et demi. Donc maintenant je m'en sors un peu dans la vie courante. mais Et alors, petite, quelle petite fille tu étais Alors je sais pas, parce que moi j'ai un peu. Enfin, j'ai déjà très peu de souvenirs. Et. On n'est pas tous d'accord sur, euh, sur ça. <laughs> Disons que mon père disait quelque chose, ma mère autre chose. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont rien capté. Mais et toi, comment tu le ressentais hein Alors moi, je suis je... très seule. Je n'avais pas d'amis parce que c'est compliqué de se faire des amis. <laughs> euh, J'étais très curieuse, mais ça, je n'ai pas perdu. C'est ce qui me sauve la vie et qui me sauvera toujours. C'est que n'importe quoi, enfin, je peux m'enflammer pour le moindre sujet ce que tu veux, quoi, et ça va me prendre des, des semaines, je vais je rester bloquée là-dessus, et c'est merveilleux, parce que j'apprends des tas de trucs comme ça, j'ai juste cette soif d'apprendre des tas de trucs, quoi, mais je veux pas dire me former, ça je déteste, mais apprendre, et puis regarder, et écouter, et je trouve ça super, et je sais pas, j'avais beaucoup de cheveux, et, et puis j'attendais d'être grande, enfin vraiment, je, je supportais pas l'enfance, bon, ça a été dur d'attendre, d'obéir, et puis de pas pouvoir faire exactement ce que je voulais, et... Et on nous dit souvent, ouais, profite, t'es à l'école, c'est facile, nanana, après t'as les impôts et tout, mais, mais que pouic Vraiment, tu, tu deviens grand et tu fais ce que tu veux. Et si tu veux, t'as les impôts, hein, tu, tu te démerdes pour pas les avoir, sinon hein, c'est facile aussi. Mais en vrai, c'est pas. Enfin, pour moi, 18 ans, c'était extraordinaire. J'ai eu 18 ans et c'était bon, quoi. Donc pour toi, tu voyais l'âge adulte et le fait d'être grand comme euh, un espace de liberté plus que de contraintes où effectivement il faut payer les impôts et euh, enchaîner sa vie comme un parfait petit soldat. Ouais, 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 complètement. Et je regrette pas d'être devenue grande, hein. vraiment. Euh... Enfin, grande euh, 18 ans. Vraiment, le, le moment où j'étais majeure, bah, je pouvais aller où je voulais. Je, je, je... C'est ce que je voulais, vraiment tout le temps. Personne ne me demandait rien, et c'est extraordinaire. Alors, et je, tu je... as pu goûter au voyage, surtout. Oui, alors oui, mm -hmm. ça s'est arrivé un peu plus tard, à, mm -hmm. à 20 ans. Mais, euh... Mais ça aussi, c'était vraiment une grande chance de, de tomber. C'était vraiment par hasard. Toute ma famille, personne qui voyage, tout le monde s'en fout. Et, et j'ai jamais rien eu comme. Euh... En train de matière, c'est juste, je, je sais pas, je savais pas quoi faire. J'ai rencontré des voyageurs et bim quoi, on y va. Et puis je voulais faire comme eux et du coup j'avais fait ça pendant cinq ans. Enfin, c'est mmh. très très bien, un stage là où tu te construis, donc c'était très précieux. Bah à 20 ans, tu n'as aucun diplôme, tu n'as pas de permis, ni de logement fixe, pas d'argent à la banque, et tu décides de partir. Et sur ton départ, tu as écrit ce texte que je vais citer parce qu'il m'a vraiment <laughs> particulièrement touchée. Tu dis Petit, on a tenté de m'expliquer que j'avais des origines par ma mère et un père. Qui ne peut plus courir parce qu'il a trop travaillé. En classe, j'écoutais des professeurs désabusés me raconter comment réussir ma vie. Plus tard, on m'a dit que je travaillerais dans un bureau, parce que c'est ce qu'il y avait de mieux pour moi, qu'assez vite, j'aurai un mari, une maison, puis des enfants, qui verront le jour, presque par nécessité. À 20 ans, j'ai arrêté d'écouter les gens et je suis partie, seule, en stop et sans un sou en poche. J'ai traversé l'Europe jusqu'au Cap Nord. C'était une fuite de partir comme ça Ah oh oui, à cet âge-là, oui. Enfin, C'était enfin, alors, j'avais une vie complètement banale, mais pour moi, c'était terrible. J'avais pas de grosses difficultés, mais c'est, c'est, juste s'il il, il se passe rien. Et s'il se passe rien, pour moi, j'ai envie de mourir. Vraiment, c'est direct. Hein. Mm. Et, euh, et du coup, j'étais là, mais faut que je fasse un truc, quoi. Et du coup, je me suis tirée. Et puis, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Mais, non, c'était une fuite, puis après c'est devenu une habitude, et puis. Euh... Une addiction. Ouais, et puis j'ai pris plus de plaisir, et puis après j'avais envie d'aller de plus en plus loin, et puis machin, puis après je me suis pété la gueule alors je suis rentrée. Enfin voilà, c'est l'histoire de, de ce voyage, mais c'était très bien. Tu décris cette expérience comme l'abandon par excellence. Qu'est-ce que tu as abandonné finalement en voyageant c Vu que je suis partie jeune, j'avais pas grand-chose. Enfin, comme tu dis, j'avais pas, pas une thune, j'avais pas de maison, j'avais pas de mec, j'avais rien du tout et du coup c'était pas vraiment la... dans ce sens-là l'abandon c'est vraiment tu te retrouves je sais pas fin, je te ou... genre au fin fond de la Mongolie tu es seul c'est en plein hiver il fait hyper froid il y a personne qui parle un mot d'anglais toi d'ailleurs tu parles pas vraiment anglais et tu dois te démerder pour dormir quelque part trouver un truc à faire et puis, et puis... Mais... mais bonjour quoi. vraiment c'est hyper galère et là, il y a, y a rien. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et puis, ça, tu découvres des, des qualités, enfin, sociales notamment pour moi, parce qu'au début, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer. Et en fait, euh, maintenant, je te tape des conférences devant 200 personnes parce que j'ai appris à me démerder, à parler et tout ça. Et, et du coup, ouais, ça, ça appelle à des ressources que tu ne connais pas. Et tu es complètement abandonné à l'autre bout du monde. Quoi. Et ça, c'est... Il n'y a pas de filet, quoi. Ça, ça me plaisait beaucoup. Mais ouais, ce qui me plaisait aussi, c'est que j'avais pas d'endroit où aller, personne m'attendait, et du coup, alors j'étais là maintenant, et puis on voit ce qu'on fait, quoi. Et mmh. ça, j'aimais beaucoup. Tu dis avoir parcouru des dizaines de milliers de kilomètres pour euh, briser ce carcan qui t'étouffait depuis des années, et pour ne plus avoir peur. De quoi est-ce que tu avais peur à cet âge-là Oh, de tout, mais maintenant aussi. Ah. <laughs> Les mêmes peurs ou Non, non, c'est différent, maintenant, c'est pire. Non, mais à l'époque, <laughs> j'avais peur. Euh, je, je, sais, je, non, je sais pas de quoi j'avais peur. J'avais peur de, de, de l'autre, déjà. Les, les gens me faisaient peur parce que j'avais toujours eu des soucis avec les gens enfin à l'école notamment le, le fait de servir à rien de pas trouver ma place de, de errer comme ça toute ma vie enfin, je, ça me terrifiait quoi puis de pas trouver mon truc et, et ça t'a réconcilié avec cette peur de l'autre de voyager. ouais bien sûr ouais. puis surtout que j'étais tout le temps chez les gens donc euh, alors là t'as pas le choix de, de te faire des potes quoi c'est très très bien parce que, du coup euh, ouais moi j'étais très très solitaire et là je me retrouve bah sans thune, donc je fais du stop pour aller à des endroits et puis j'ai pas j'ai pas de maison donc euh, finalement je me fais loger chez les gens et puis après bah je cuisine avec eux et puis finalement j'étais tout le temps avec du monde et euh, et ça c'est ça m'a vraiment appris à me dire que l'autre est pas mon ennemi qu'on on peut quand même bien s'entendre et que tout ira bien et, <laughs> et voilà en quoi la route elle t'a appris la confiance en l'autre justement je, je remets un peu ma vie dans les mains de gens quoi quand tu, quand tu voyages comme ça tu sais pas ce qui va t'arriver et bah, c'est ce qui me plaît mais mais du coup, tu te dis, bah, ce type, il, est... Alors, il a une tête bizarre, mais il est probablement très sympa. Et puis, il va t'emmener et ça va... tout va bien se passer. Et, et en fait, ça se passe comme ça. Et puis, tu dis, bon, bah voilà, je vais plus jamais regarder les gens ouais, de la même manière. Mmh. C'est rigolo que tu dises, en fait, ça se passe comme ça, parce que justement, pour partir, tu as décidé que tu étais forte <laughs> et que tout se passerait bien. Est-ce qu'il suffit de, de le décider pour être forte mais je pense, ouais. Mais comme maintenant, je me dis pareil. Enfin, je galère, mais je suis là, mais je, je suis forte, ça va se passer, et tout va bien, et t'es super, Sarah, allez, on y va. Mmh. <laughs> mais je pense qu'il faut le faire, parce que sinon, il y, y a personne qui va le faire pour toi. Hein, donc, euh... Moi, ce que j'ai fait aussi, c'était réfléchir, qu'est-ce qui me fait vraiment peur là-dedans? Pourquoi j'ai peur de, de me retrouver dans une, la voiture d'un inconnu? Est-ce que vraiment il y a un risque? Et puis, de déconstruire ça, et puis en fait, tu vois que non. Et puis, tu vois par A plus B, que t'as fait des 30, 40, 50 000 km en stop, qu'il s'est rien passé, et que, et que tout va bien, mais c'est ouais déconstruire la peur. Je pense qu'on ouais. a, a tous peur de, de tout. Enfin, c'est terrible. Mais moi, je, je, mais justement, je continue à être terrifiée, mais j'y vais. Peu importe ouais. le truc, j'y vais quoi. Donc on devient fort et forte en dépassant nos peurs finalement, en osant mettre les pieds dans le plat et en se disant en fait là j'ai peur, mais je vais quand même y aller. Ouais, bien sûr. Non puis on en ose en foirer quoi. Enfin moi j'ai eu des échecs extraordinaires dans ma vie, notamment bah ben, mon bateau là. Ouais. <laughs> mais voilà, mais c'est pas grave. J'ai fait tapis sur un truc complètement con euh, à la sortie de petite. J'ai eu un peu de sous, tout claqué dans un bateau. Je savais pas naviguer, j'ai le mal de mer, je supporte pas l'eau. Enfin voilà et, et j'ai tenté le truc et, et ça, ça a merdé. Mais mais merveilleusement parce que tu peux pas merder plus. Il y a un moment où tu peux pas faire pire quoi. Du coup c'est assez joli moi je trouve. Il y a une phrase aussi qui dit que je crois qu'il n'y a que 8% de nos peurs qui sont vraiment fondées c'est 92 autres pour comment tu les expliques au-delà de la peur de l'autre, toi lesquelles t'envahissaient comme peur bah, Rien que les faits divers, les trucs comme ça enfin, je sais pas, moi j'ai plus de télé maintenant parce que ça te rend fou je trouve tout ce qui est ouais actualité, de toute façon ça se passe mal et puis le monde va mourir et puis on va, on va tous crever dans d'atroces souffrances et, et il pleut en auvergne, bon, alors ça c'est tout le temps je je sais pas mais mais non, mais c'est triste, c'est dramatique, faut plus écouter ça. Alors c'est peut-être vrai, mais on verra bien, de toute façon, on va mourir, donc euh, allons-y. <laughs> mais ouais, non, mais du coup, il y a, y a une peur bah, de, de manquer une paire de, de, de l'autre, de se perdre, de machin. Enfin, moi, je, je vais beaucoup dans les classes, justement, parler avec des jeunes sur euh, qu'est-ce qu'ils vont en foutre, quoi, parce qu'ils ont 16 ans, ils sortent de l'école, et puis on, on va où maintenant, quoi Qu'est-ce que donc, tu leur dis y... à ces jeunes, maintenant, aujourd'hui euh, bah, je leur dis déjà que ça vaut pas la peine de suicider à 15 ans parce que parce que t'as pas les bonnes notes quoi ouais. je crois que c'est <laughs> un truc qu'il faut rappeler que qu en fait c'est pas grave si t'es chou dans, dans dans un truc très scolaire et que t'es pas bon là-dedans en fait y a, y a, moi je j'ai je, je, pas le bac j'ai rien du tout je m'en fous puis j'ai jamais eu de problème à trouver du boulot enfin ça va très bien mais du coup elle est déjà les rassurer parce qu'il y a beaucoup de pression de tous les côtés et puis ouais que mais la suite c'est pas si mal parce que je maintiens qu'on nous dit vraiment que quand t'es gamin c'est super et après c'est l'enfer et en fait pas du tout il y, a, il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux après donc ça j'essaie de, de leur dire et puis après oui bah, qu'il qu faut voir grand quoi, parce que sinon il se passe pas grand chose La peur du futur elle te rentre aussi euh... La peur du demain Bah je crois pas, non ça va bien j'ai vraiment traversé une période de merde là <laughs> pendant, non, mais pendant un an et demi je, je suis pas sortie de chez moi, enfin, c'était très dur bah, après là, le décès de mon père et, euh, et maintenant, je vois pas trop ce qui peut m'arriver, quoi. Donc, euh, j'ai plus peur. Le, le pire truc qui pouvait m'arriver, c'est passé. Donc, maintenant, je suis assez libre de ça, quoi. Et non, puis le demain, bah, je te pas, on verra bien. Mm. Ça, ça me fait pas peur du tout, non. Et il y a aussi euh, un mode de vie que tu mets en place qui est très sobre, euh, qui peut-être te détache de cette peur de manquer que beaucoup ont de euh, j'aurais peut-être pas assez d'argent demain, j'aurais peut-être pas ci, j'aurais peut-être pas ça. Oui, bien sûr, mais si ça se trouve, demain t'es mort, hein. Donc, Donc mets pas trop de ce côté. De que... <laughs> non, c'est pas. Non, moi, j'ai rien du tout. Je bosse le moins possible juste pour payer le loyer, pour, euh... enfin, ouais, avoir un toit, avoir à manger, et puis, euh... puis me déplacer. Et, et puis, j'ai mes vieux vêtements, tout va bien, quoi. Euh... Et t'es libre. Ouais, voilà, ouais. Non, du coup, je bosse à 50% et moins. Et du coup, tout le reste du temps, je fais mes trucs. Et, et mes trucs, alors, c'est très large, quoi. c'est... Ça peut être de ne rien faire, quoi. Parce que j'aime bien rien faire aussi. Enfin, je m'ennuie jamais. Je suis très contente quand il ne se passe rien. Donc, donc voilà, mais d'avoir un rythme pour avoir de l'argent, pour... je vois pas je vois pas pourquoi je ferais ça, quoi. Puis en fait, on peut vivre comme ça. Enfin, bah, tu sans... en es l'exemple. Ouais, bien sûr. Mais ça, tu sais, on te dit si tu bosses pas, que tu n'as pas de thunes, tu finiras dans la rue et tout. Puis en fait, pas du tout. Tu te trouves une chambre truc alors qui ressemble à rien mais, mais c'est pas grave. Puis tu heureux et tu fais ta vie quoi. Tu te contentes de peu. Ouais ouais mais c'est même pas me contenter enfin moi ça me comble, me oui. j'ai besoin de rien d'autre vraiment. Et est-ce que ton entourage a vie comme ça aussi et comprend ton mode de vie Oui bien sûr, bah mon copain c'est la même hein. Il a... <laughs> on a à peu près la même chose, c'est très bien. Et puis si, euh... après tu choisis tes potes quoi. Moi j'ai je, je choisi un peu pas par rapport à ce qu'ils gagne mais je, je connais personne qui a du pognon vraiment et on s'en fout complètement. Mais par contre, je connais plein de gens qui font plein de trucs. Et du coup, ça, c'est vraiment bien. Tu crois qu'on attire aussi les personnes en fonction du mode de vie qu'on adopte mmh. Bah, je pense quand même. Mais en tout cas, t enfin, bah, je rencontre des gens très normaux tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, je sais plus quoi leur dire. Quoi. Et puis, les autres avec qui j'arrive à créer un lien plus profond, c'est parce qu'on a des choses en commun. Mmh. Et qu'ils ont. C'est pas ce truc de liberté, mais plus de recherche. Moi, j'aime bien chercher des trucs. Enfin, encore une fois, très très curieuse. Et, et du coup, jamais arrêter de chercher. Peu importe quoi. Puis, je sais pas ce que je cherche. Hein, je tourne rond, mais. Mais au bout d'un moment, il va... y a un truc. quoi. Il y a toujours un truc. Et, et du coup, ouais, je tombe beaucoup sur les gens comme ça. Et un peu... un peu fou, un peu bizarre. Et puis moi, je les adore. <laughs> Cette recherche, elle se manifeste aussi dans ton mode de vie. Et tu me disais tout à l'heure que tous les six mois environ, tu changeais de lieu de vie. Oui, <laughs> ouais, alors peut-être qu'il faudrait que j'arrête ça. Parce que ça fatigue <laughs> tout le monde. Quoi, parce que beaucoup de gens qui m'aident pour les déménagements. Mais je <laughs> sais pas, j'aime bien changer. Mais, mais limite, je change pour l'immeuble d'à côté. C'est pas grave. J'aime juste. Euh... Je suis toujours un peu dans le même coin quand je suis en Suisse, dans l'endroit où, pas où j'ai grandi, mais où je suis arrivée quand, euh, quand j'ai choisi où j'habitais et que j'aime beaucoup, enfin un be veuvais -ve, en Suisse, dans le coin. Mm. Et du coup, je fais que de bouger, mais, mais je sais pas. Y a, bah, une fois j'étais en coloc, j'en avais marre d'être en coloc, du coup je me suis mise seule, après j'en avais marre d'être seule, je me suis mise en couple après, Machin. puis maintenant on part tous, euh, toute la coloc ailleurs et, et voilà. Et, C'est euh... quoi C'est la peur de tomber dans une routine, dans un quotidien que tu connais trop bien je, je crois pas, non. Parce que du coup, la routine, je l'ai quand même. Même si euh, je change de maison, ça, ça change pas grand chose. Ça change pas qui je suis, ça change pas mes habitudes. c'est juste décor. Ouais, c'est ça. Non, changer de décor. Mais c'est pareil avec le voyage. Moi, n'allais pas faire des trucs extraordinaires. Alors, oui, bah, tu disais que j'ai traversé le bike à la pied. Alors, il faut, il faut une hein. J'ai fait un tout petit bout et je me suis perdue. Je pleurais. Enfin, c'était, c'était dramatique. Je suis pas une grande aventurière. Puis, l'aventurière fauchée, à la base, c'était une blague. Parce que, parce que pas une thune. Puis, mmh. mon père me disait que j'étais une fauchée. Puis, moi, je disais, bah, non, je suis une aventurière fauchée. Et, du coup, c'est devenu le nom du mmh. blog. Et puis, mmh. puis en fait, il y a eu un quiproquo, je crois. Parce que les gens pensaient vraiment que j'étais une aventurière et que je me décrivais comme telle. Alors que pas du tout. Mais, je, 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 je vois rien du tout par rapport à ça. Enfin, par rapport à un micorne ou quoi, mais laissez tomber. Moi, je, je, je pleurais à oui, dans mon coin. Tu oses ouvrir la porte que tu ne connais pas et ça, c'est de l'aventure. Oui, oui, alors oui. Non, dans ce sens-là, oui. Mais je prends l'exemple de que tu vas nous raconter de cette fameuse euh, personne qui t'a accepté en stop et qui ne t'adressait pas un mot du voyage <laughs> et où toi, tu t'es senti pas bah, terriblement seul et où je te laisse raconter le, ouais, ce sûr, passage bien. qui m'a vraiment fait réfléchir sur euh, la peur de l'autre et sur comment on se sent avec les autres mm -hmm, et bah, comment on interprète aussi finalement une situation. Ouais, alors ça, ouais. ça c'est l'aventure. <laughs> Être allé dans cette voiture avec cette personne-là, c'était de l'aventure. Ouais, mais pour le coup, j'avais pas méga le choix, parce que t'es es fin fond de la Norvège, il pleut, c'est déjà compliqué, il a pas de voiture qui passe, t'as un mec qui s'arrête, sauf si vraiment il fait flipper, tu y vas. Quoi. Et du coup, j'ai été, mais le problème, bah, il me semblait à peu près normal, quand même, physiquement et tout. Et, euh, et d'un coup, il me regarde, il parle pas, puis pendant tout le trajet, puis au-dessus, tu paniques un peu quand même. Et puis en fait l'affaire c'est que je ressemblais beaucoup à sa fille qu'il ne voyait plus depuis des années et puis à un moment il s'est f... il a fondu en larmes quoi ce, ce gros bonhomme là enfin c'était assez assez impressionnant puis moi j'avais pas capté ça du tout je pensais qu'il allait me tuer quoi et en fait ouais on était complètement dans, dans deux trucs différents c'était très drôle mais c'était quelqu'un de super après on a, on a chanté dans la voiture et tout tout le reste du trajet enfin c'était hyper beau mmh. puis puis je crois que ça l'a réconcilié aussi un peu avec euh... Avec cette partie de sa vie. Moi, ça m'a rappelé à quel point j'adorais mon père. Et puis, euh, et puis voilà, c'était très touchant. Ouais. Je, je l'écris mieux que je le raconte. Hein, mais... <rire> <rire> et ben justement, en parlant d'écriture, j'ai un autre petit passage à, à, à citer qui m'a tout autant marqué. Euh, tu écris Je me questionne quand j'entends ma mère râler sur son métier depuis plus de 20 ans. Est-ce vraiment ça la vie Faire aller Comment peut-on supporter ça réveiller à 6 heures, embouteillage sous la pluie Petit chef véreux, post-pipi chronométré, déjeuner sur le pouce, la menace du burn-out. Tout ça pour rentrer à la maison épuisée. Produire toujours plus, toujours plus vite. Être finalement dépossédé de cette production. Alors qu'est-ce que la vie, Sarah, si ça n'est pas ça <laughs> C'est le reste, je pense. Et le reste, c'est quoi Découvrir des trucs pour moi, vraiment. Enfin, je sais pas, il y a 2-3 deux, deux, jours par semaine où je bosse, et le reste du temps, je fais, je fais la vie, quoi même quand je bosse, alors il faut le dire vite aussi, quoi. Mais, mais je suis présente. <laughs> Qu'est-ce qui te remplit le plus finalement au quotidien Est-ce que c'est tes relations Est-ce que c'est les temps de vide avec toi-même à ne rien faire bah, les, Tout est important. Vraiment, j'ai de très belles relations, j'ai beaucoup de chance et, et j'en je prends grand soin parce que c'est très important pour moi. Et ensuite, euh, bah là, je suis partie dans, dans, dans ma cinéphilie, euh, j'ai vrillé complètement, j'ai fait un, un tableau de 5000 films euh, qui part des années 20. Euh, 20, 20 du siècle passé jusqu'à aujourd'hui, avec 500 réalisateurs du monde entier, puis je découvre ça et j'adore ça. Et ça, pour moi, enfin ouais, c'est aussi bien que le voyage, et ça me compte complètement. Je suis très très contente. Et de rencontrer, enfin, il y a mes proches, mais après, il y a les gens que je rencontre par ailleurs, euh, que je connais pas du tout. Enfin, je suis très contente. Je parle, bah, je me suis fait pote avec le mec de l'ascenseur, là, dans mon oui. bureau. Enfin, <laughs> non, non, mais je trouve ça super. Il est tellement gentil. Ouais, non, mais pour moi, c'est ça. Enfin, c'est ouais. ça la vie. C'est tu sais pas, il y a quelqu'un, tu parles avec, et puis, euh, puis, ce sera mieux que de ne pas parler avec, quoi. suis <laughs> moi comment. Sauf s'il est très con, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas la majorité. Et comment on prend soin des relations? Oh, bah, ça, c'est compliqué, hein. c'est une vie de. <laughs> d'essayer de comprendre ça. Il y en a que j'ai foiré, vraiment, puis. Après, il me semble que c'est pas un, un gros effort, enfin. C'est naturel. Ouais, quand tu tiens à quelqu'un, bah, tu l'écoutes, déjà, je crois que c'est important, et puis tu de te faire qu'il aille bien et que. et d'en prendre soin de lui, ou, ou d'elle, et. Je sais pas, non, bah, j'ai beaucoup de grandes amitiés, mais vu que j'étais beaucoup en voyage, je, je les ai pas vues souvent, pendant plusieurs années. Et, euh, et en fait, je les vois, je sais pas, une fois tous les mois, deux mois, trois mois, et chaque fois qu'on se revoit, c'est pareil. Et ça, c'est quand même très beau. Et alors que tout a changé. Enfin, ma meilleure amie est devenue maman, elle s'est mariée, machin, elle a mis à la campagne dans son truc. Et on n'a pas du tout les mêmes vies, mais c'est juste euh, quelqu'un d'extraordinaire. Et, et du coup, je, je fais très attention à elle. Hein. Je crois que c'est ça, l'attention que tu portes aux choses, quoi, qui tiennent. Enfin, les choses qui comptent. Quel rapport tu as avec euh, le temps qui passe, qui file bah je sais pas, hein. c'était assez bizarre parce que moi du coup je me suis retrouvée à 24 ans avec Petite qui sortait le livre donc et, euh, et en fait tous mes rêves étaient réalisés c'était dramatique c'était j'ai fait une dépression terrible après ça j'ai fait bon tour du monde en stop là j'étais contente j'ai publié Petite c'est un succès en plus c'était pas prévu et, et du coup tu te retrouves à 24 ans t'as plus rien donc et... les rêves n'entraînent pas les rêves tu n'as oh. pas d'autres rêves qui se sont dessinés au fur et à mesure que tu as fait tes voyages que tu as écrit ton livre bah les voyages ont amené au livre et puis le livre, euh, je sais pas, a, a peut-être manqué un peu plus. Et, et voilà, mais c'est ouais, c'était dur. Et du coup, le temps qui passe, c'est compliqué pour moi parce que j'ai été vite, quoi. Et là, bah, je me mets un peu en frein depuis quelques années pour euh, pour aller plus lentement et profiter plus de certaines choses, quoi. Mais ça me fait pas peur. Enfin, je sais pas. Franchement, le pire m'est arrivé. Maintenant, ça va, tout ira bien. Tu crois qu'il faut vivre le pire pour ne plus avoir peur? Bah, pas forcément je le souhaite pas enfin moi petite j'avais pas vécu le pire quoi je, je pensais mais pas du tout enfin le voyage de petite je veux dire et euh, et puis non mais non il n'y a pas besoin je pense qu'il faut juste prendre conscience que ça va arriver quoi et, et puis que c'est enfin on, on, la fête est courte quoi mmh. allons-y quand même mmh. tu te le rappelles ça souvent que la fête est courte Ouais, ouais, ouais. Mais il euh, y a des fois, tu peux pas. Moi, je, je traverse quand même des périodes dépressives assez, assez violentes et récurrentes. Et, et du coup, tu peux pas te dire, allons-y, 13, euh, 50 ans à vivre, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais, euh, mais non, c'est plus quand je suis heureuse, quoi. Je me dis, oh, mais j'ai trop de chance de vivre ce moment-là, quoi. Parce que, purée, il n'y en a pas tant, des, des moments comme ça. Et il faut, faut que je garde ça dans ma mémoire pour les jours où ça ira pas, justement. C'est balancier de moments plus dépressifs et ces moments plus de joie. Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, tu arrives à les expliquer ou pas Oh non, pas du tout. Euh, bah, je suis quand même très sensible comme personne. Du coup, le moindre truc qui effleure les gens, moi, ça me ça me fout à terre pendant trois semaines. Mais, euh, mais ce qui marche mieux avec les années, c'est que j'arrive à voir où il ne faut pas que j'aille pour éviter ça. Enfin, justement, dans les relations, dans, dans le fait peut-être d'avoir trop d'activités, puis après, je suis en burn-out ou, ou quoi. Il enfin, y, a, y a des pièges que je connais et dans lesquels je tombe plus. Après, enfin, il y en a d'autres hein, où je continue et puis il faut, faut se les prendre dix fois pour comprendre le truc. Quoi. Mais non, j'arrive pas à trop à expliquer. Je pense que c'est un peu chronique. Et puis, euh... puis faut voilà. Bah... Ouais, c'est ça. Non, tu vis avec. Il y a des fois, bah, là c'est l'hiver. forcément, je ne suis pas bien. Quoi, mais il mais y a l'été qui revient hein, et puis tout mmh. ira très bien. <laughs> Aujourd'hui, tu as 28 ans. Mmh. Euh, en quête permanente, un sac à dos et un stylo comme garde-fou. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à écrire Oh là là, ça c'est compliqué! Question. Je, je t'avais dit pas. que je ne t'épargnerais pas. Oui, oui, euh, qu'est-ce qu qui poussait à écrire? Euh... Moi, c'est vraiment que j'avais accumulé une bonne matière, je pense, pour faire un livre. Et puis, je voulais parler de, de ce que je faisais parce que je voulais trouver. Enfin, je regrettais quand je, je suis partie à 20 ans de ne pas de ne pas être tombé sur un, un blog ou n'importe quoi d'écrit qui, qui parlait de ce que j'allais faire et pourquoi je le faisais. C'était tout, euh, bah, regardez, c'est merveilleux, je suis en voyage, c'est très beau, tout va bien. Mm. Et là, bon, bah super, ça ne m'avance pas du tout. Mm. Et du coup, j'ai fait le blog en mode, j'ai traversé ça, 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 c'était méga la merde, mais j'ai trouvé ça, peut-être essayer, si vous êtes dans la même situation, il y a peut-être moyen. Et le euh, livre, c'est la continuité de ça, parce que le blog a beaucoup marché, puis après, je me suis dit, ça le format blog me, me saoule déjà passer sur Internet, puis les gens, ils te harcèlent. <laughs> C'est assez dur à vivre. Les réseaux, tout ça, puis c'est chronophage, c est, c est, ça m'allait plus du tout. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va faire un livre, mais du coup, qui permet plus de m'étendre sur des, des trucs qui m'intéressent. Parce qu'un blog, c'est quand même court comme format. Si tu écris un article de, de 50 pages, bonjour, quoi. Et donc, le livre me paraissait bien pour ça. Puis, puis j'ai eu la chance de rencontrer l'éditrice de Petite qui qui M'a poussé un peu au cul parce que faut... enfin, c'est vertigineux quand tu as 20 ans et que tu écris un livre, ben c'est un peu flippant. J'ai énormément lu en voyage parce que j'avais pas Netflix, j'avais pas de téléphone, j'avais rien du tout donc, euh, donc voilà, beaucoup beaucoup lu. Avant je ne lisais pas vraiment et du coup je me suis dit mais en fait moi aussi je peux le faire quoi. Et puis, euh, puis maintenant c'est encore autre chose parce que là je travaille euh, sur le deuxième livre. Oui. Alors on ne peut pas dire que je suis très avancée mais, mais déjà plus que, plus que rien. <rire> <rire> Et puis, je me dis, j'aimerais faire le livre que j'aurais aimé trouver quand, euh, bah, quand mon père est mort, justement, et que je me suis retrouvée complètement seule et perdue et désespérée. Et en fait, il y, y a des mots qui peuvent aider, quoi. Et, et du coup, dire, bah, moi, j'ai vécu ça comme ça, ça m'a fait ça, 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 j'ai eu mal là. Si vous vivez ça, c'est normal, en fait. Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Et du coup, je trouve ça cool de, de faire les livres qui manquent. C'est un peu ça. S'il existait, je, je l'écrirais pas, quoi. Enfin, ça, ça m'intéresse pas de rajouter des livres. Il y en a déjà des millions. Enfin, on peut arrêter, quoi. Mais là, c'est important et il n'y a, a pas eu ce message-là dont j'avais besoin, donc je le fais. Voilà. Et au-delà de remplir ce message qui, qui n'est pas encore là, est-ce que toi, personnellement, tu retires de l'écriture En quoi ça peut te soigner bah, Déjà, c'est assez fou. Il enfin, y a des, des pages justement, que j'ai écrites sur mon père et il y a un moment où un moment, je savais même plus que c'était moi qui écrivais. quoi Et ça a mis exactement le point sur l'endroit où j'avais mal à ce moment-là. Le fait de pas savoir où il est et puis de. Que je, La seule manière de savoir où il est, c'est de mourir, moi. Et, et j'avais vraiment une angoisse par rapport à ça. Puis ça, je n'avais pas compris que c'était ça qui me faisait du mal Donc à ce moment-là. Tu moment écrivais sans être consciente de ce que tu écrivais Ouais, il ouais, y a un moment où j'écrivais. Ça, ça arrive des fois. Mais, Mais après, tu sors de là, t'es es, lessivée, t'es es, es moitié mort. Faut, faut te porter de la chaise. Enfin, c'est assez violent. Ah ouais, à ce point-là Ouais, ouais. non, il y a des, des fois, c'est violent. Ouais. Et puis, il y a des fois, il ne se passe rien. Hein. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des. des de génie un peu alors euh, mmh. je, me... <laughs> je me prends pas pour de la merde hein, quand je dis ça mais des, des moments <laughs> des instants où tu, où tu contrôles pas des... ouais <laughs> tu contrôles pas et c'est extraordinaire et tu as deux pages en faisant ça c'est ouais. pas c'est pas très prolifique et ensuite tu brodes autour quoi c'est ça que je fais donc il y a eu quelques passages où vraiment j'étais très inspirée et puis tout était clair et ensuite je fais en, en sorte que ça devienne un livre et qu'on comprenne ces passages là qui sont les passages clés c'est un peu ça et alors, ces passages de deux pages qui arrivent de temps en temps comme une lumière, est-ce qu'il euh, y a des moments propices pour qu'ils te tombent sur, euh, ah, sur non, la non Non, non c'est au bol. Tu peux attendre, il ne se passera rien. C'est un peu chiant, ça. Est-ce que pas. ça arrive parfois, même quand tu ne t'es pas mis en position d'écrire ou tu es juste dans le métro et là, ah, blanc, ça arrive. Ok, sors ton carnet. Ouais, alors ça, ça arrive, mais euh, c'est plutôt chez moi en général. Et puis, euh, des fois, ça arrive aussi parce que je me mets à écrire et que c'est nul. Et il y a un moment où, je sais pas, ça se débloque, puis ça y va. Donc en écrivant, ça arrive aussi. Ouais, ouais, ouais. ouais bah, c'est mieux quand c'est comme ça, parce que sinon, <laughs> bah, tu peux un peu rien en faire, quoi. Mmh. C'est un peu dérangeant. Mais le fait d'écrire, après, ça, ça te fait écrire plus. Enfin, là, j'écris euh, chaque jour 2-3 heures. Et il y a des fois où je pars sur 10 heures parce que je suis inspirée à ce moment-là. Tant que si je me dis, j'attends le, le moment où ça me tombe dessus, bah, ça t'avance pas, quoi. Là, j'ai attendu pendant 2 ans. Donc maintenant, je, je, je me mets au boulot un peu. Mais. Maintenant, là, tu carbures. Tu écris Soyons libres, puisqu'on a la chance de le pouvoir. C'est quoi pour toi la liberté bah de, de choisir nos vies. Je crois que c'est pas. On a vraiment beaucoup de chance en vrai. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Je dis pas les, les pauvres, les riches, machin. Enfin, il y, y a aussi. Moi j'ai été très frappée par mon père qui était malade, handicapé depuis euh, très longtemps. J'avais 7 ans quand il est tombé malade et du coup lui il ne pouvait pas quitter son village et il ne pouvait pas faire grand chose. Et du coup, moi, je me dis, mais en, en vrai, j'ai tout ce qu'il faut, quoi. Genre, mon cerveau marche. Alors, oui, j'ai mes épisodes euh, dépressifs, mais, mais voilà, j'ai deux bras, deux jambes, j'ai le bon passeport, je, 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 je peux aller n'importe où et, et faire tout ce que je veux, au-delà de voyager, mais vraiment, je peux choisir euh, de construire ma vie, quoi. Et ce serait un, un crime de ne pas le faire pour moi parce que tu peux. Donc, vas-y. Je sais pas. Tout le là... monde peut. Non! Non, vraiment pas tout le monde enfin il y a des pays où tu peux pas être libre déjà ça c'est tu l'as vu autant que moi oui. c'est beaucoup plus compliqué il euh, encore une fois enfin des, des problèmes physiques mentaux où tu, tu ne peux pas faire ça mais si tu as tout ce qui veut tout ce, ce qu'il te faut tu veux quoi de plus enfin, et c'est quoi tout ce qu'il nous faut la santé un hein, toi sur le, sur le dos à manger tous les jours ça suffit oh mais c'est amplement suffisant mais déjà la santé c'est cool quoi <laughs> t'es déjà bien quoi et si tu es dans un pays où en plus tu peux être libre, en tant que femme ou pas, ou, ou n'importe quoi, enfin, si déjà tu peux euh, choisir ta vie, alors je vois pas ce qui te manque. quoi. Oui, après, en toi, bah c'est super, tu vas en trouver un, c est, c est, ça se fait facilement. Le, le problème quand tu es libre comme ça, c'est que tu peux confondre l'infini et l'indéfini. Je sais pas si ça te parle. Oui, complètement. Et, et te perdre complètement. Et ça, c'est le risque, de, de finalement plus rien foutre, quoi. et puis euh, de finir je sais pas où. Fin... Donc on peut se perdre finalement dans trop de liberté. Oh, bien sûr. Et oui. dans trop de choix. Oui, oui. Mais faut, ouais, après, il faut savoir un peu gérer ces trucs. Quoi. Ça, je ne sais pas comment je, je m'en suis sortie. Je... je suis quand même passée par des coups durs mmh. <laughs> par rapport à ça. Mais... mais le voyage, en tout cas, t'as permis de prendre conscience des chances que tu pouvais avoir Bien sûr, ouais. Non, non, mais on a du, du bol comme pas permis. Hein. C'est clair. Et à quel moment tu as réalisé que finalement, ce bonheur aussi qu'on pouvait nous vendre en Occident, de, euh, il faut en avoir toujours plus et remplir nos armoires, à quel moment tu as compris que ça, ça n'était pas pour toi mais très jeune mais j'ai je, compris que c'était pas si vrai alors, je crois que c'est pas pour grand monde en vrai c'est illusoire ouais 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 mais mais la vie est pas là dedans mais ouais encore une fois c'est mon avis après oui. le, le, justement moi j'avais ma mère qui aimait pas son boulot mon père qui avait trop bossé, qui s'est pété le dos puis ma mère maintenant qui est malade aussi qui a fait le même boulot enfin était un peu là mais je, je, moi je vais pas je vais pas faire ça c'est mort les gars enfin, oui, c'était je... l'exemple de ce que tu voulais pas faire finalement ouais 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 mais mais, mais, mais pourtant ils sont super quoi mais c est, c est... Pour eux ça allait, moi ça m'ira pas, ça m'ira jamais et il n'y a pas moyen quoi. Je préfère mourir en vrai que de, de vivre ça. Enfin d'aller tout le temps au même endroit tous les jours. J'avais fait mon, une année de dans un bureau de formation, mais je, je, je suis ressortie de là en dépression mais oui. très très basse, je, je, moitié anorexique, je, je parlais plus, je perdais mes cheveux, je, je, je pouvais plus. Juste parce que j'étais dans un bureau pendant un an. Alors je suis très sensible à ça. Moi j'ai besoin de faire ma vie et qu'on me foute la paix quoi. Alors la liberté pour toi c'est pouvoir faire ce qu'on veut de ses journées. Ouais, au maximum, après il y a des trucs tu es obligé, hein. tu peux pas toujours faire ce que tu veux, mais il y a ouais, de pousser les murs, quoi, puis d'essayer de multiplier ces moments de liberté. Si tu devais parler à la Sarah qui... qui avait 20 ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire oh bah vas-y. Franchement, je la trouve canon cette fille, alors je l'ai connue un petit peu, mais je trouve qu'elle est quand même le faire, quoi. Et je suis tellement heureuse qu'elle soit posée le cul pour moi maintenant, et on est là même, là, ça fait un peu Une double personnalité, mais. Mais en vrai, j'ai beaucoup de chance d'avoir osé à l'époque faire mon truc, quoi. Et, euh... et du coup, ouais, non, je lui dirais juste, t'es dans le juste, meuf, continue, tout va bien, tout va bien se passer. Et puis. Euh... N'aie pas peur. Et merci. Putain, enfin, merci, quoi. Il <laughs> y a une magnifique lettre que tu as écrite, je ne vais pas toute la lire, parce qu'elle est assez longue. C'est une lettre à ta solitude. Mm -hmm. euh, je mettrai le lien dans la <laughs> dans description pour celles et ceux qui voudraient la lire. Est-ce que c'est important d'apprivoiser sa solitude bah, Je pense, parce que. Il y, a, il y a ce truc où de toute façon tu nais seul tu meurs seul es seul tout le temps il y a des gens autour de toi mais es seul enfin c'est y a que toi qui est toi qui ressent tes trucs c'est dur de comprendre les gens à 100%, même ceux que adores. enfin t'es de toute façon seul donc soit tu passes ta vie à essayer de d'avoir de, de, un regard de l'autre positif soit tu te dis bah en fait moi je vais faire le truc pour moi et puis j'espère que ça ira et voilà mais non, il faut il faut réussir à vivre seul parce qu'après tu profites aussi plus des gens. C'est pas les mêmes relations. Moi, je suis pas dépendante de mes amis. Je suis juste tellement heureuse de les connaître. Parce que j'arrive à être seule et, et ouais. Non, le fait de partir seule, c'était vraiment un truc. Ça t'a demandé du courage, toi, de te retrouver face à toi-même au début. Ouais, 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 quand même. Alors j'étais déjà pas mal solitaire euh, <laughs> toute, ouais. euh, toute mon enfance et adolescence, mais ça c'était pas, c'était plus du rejet que de la solitude. C'était pas choisi. Et, euh, et ensuite, j'ai trouvé quelque chose de très beau au fait d'être seul. Mais t'es pas seul, t'es avec toi. Enfin, t'es oui. déjà un quoi. T'es mm -hmm. pas zéro. Et, et ça, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et, et en vrai, moi, j'aime bien parce que du coup, je lis des livres, et je suis jamais seule. Et, et voilà, mais il y a pas vraiment quelqu'un à côté de moi, quoi. Tu te remplis à toi-même. Ouais, mais je me suffis à moi-même. C'est quand même, euh, c'est extraordinaire. Mais après, j'adore être avec des gens. Mais, mais j'en ai pas besoin. Et ça, je trouve que c'est une liberté aussi qui qui est importante dans les relations mmh, tu as mis le mot liberté je pense que c'est vraiment ça puis ça apporte peut-être des relations plus saines aussi derrière ah bah qui sont moins dépendantes hein. mmh. mais après on fait comme on peut hein, je sais pas c'est clair pas question de juger les gens qui ont besoin du monde euh, bien mais... sûr ouais. Sarah dernière petite question la question signature du podcast quel conseil plus général tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui qui nous écoutent aux jeunes et aux moins jeunes a <laughs> <laughs> de plus en plus de, de moins jeunes qui nous écoutent tu te, tu te réponds ouais. <laughs> Mais je sais pas, est-ce que j'ai un conseil Moi, je, je sais pas du tout, mais ouais, d'oser faire les choses, je pense. D'y aller, et puis, et puis tout ira bien. Et voilà. De pas avoir peur de, de rien, parce qu'on sait même pas de quoi on a peur. Et puis, de... ouais, d'oser. De, et je vous souhaite une très belle vie. <laughs> Merci beaucoup, Sarah, pour tous tes petits partages, et puis surtout pour la force que tu incarnes. C'est vraiment hyper, hyper inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.